Êtes-vous obligé de vous raser le crâne ? Se raser la tête, c'est pas une obligation, c'est un choix personnel, mais a priori, les moines et les nonnes, ça fait partie de leurs vœux, se rasent le crâne. Pourquoi ? Alors, se raser la tête, c'est un signe très symbolique. On coupe les illusions. En fait, les cheveux ont toujours été considérés comme un attribut de beauté depuis tout temps, comme un objet de décoration. Et là, l'idée, c'est de montrer son véritable visage. Donc, c'est une pratique qu'on fait de manière ritualisée chaque semaine. Et d'ailleurs, dans les temples, les moines et les nonnes se rasent, enfin, les moines se rasent entre eux et les nonnes, dans les temples où il y a des nonnes, se rasent entre elles. Donc même les femmes ont le crâne rasé. Même les femmes ont le crâne rasé, et puis on ne porte pas de bijoux ni de maquillage pour les femmes. On voit souvent des moines bouddhistes en tenue rouge-orange. C'est la tenue officielle ? Voilà, ça s'appelle la couleur safran. Alors c'est la tenue officielle pour les moines d'Asie du Sud-Est. Les moines tibétains, de la tradition tibétaine, sont plutôt en orange, ocre. Les moines zen, de la tradition à laquelle j'appartiens, du moine bouddhisme zen soto, on est en noir. Donc ça dépend de la tradition, la couleur va dépendre, on va distinguer les différentes traditions du bouddhisme par les couleurs en fait. Il y a combien de traditions dans le bouddhisme ? Je ne connais pas toutes les traditions, mais c'est vrai qu'en France, on connaît surtout le bouddhisme par le biais des moines tibétains, avec la figure du Dalai Lama, de Mathieu Ricard. On connaît très peu les autres branches, mais il y en a beaucoup. Il y a du bouddhisme vietnamien, coréen, japonais. Est-ce que Bouddha est considéré comme un dieu ? Non, il n'est pas considéré comme un dieu, il est considéré comme un homme. On l'appelle souvent même le grand médecin. En fait, c'est un homme qui s'est éveillé à sa véritable nature, il a une clarté évidente sur certaines choses, et il a voulu le proposer aux êtres humains. Il a proposé une voie spirituelle pour se libérer de la souffrance. Comment est rémunéré un moine bouddhiste ? Un moine bouddhiste n'est pas rémunéré par sa pratique. Dans le sens où il peut avoir une vie sociale, il peut travailler, là, il gagne son argent comme tout le monde. Alors il y a des traditions effectivement où les moines ne peuvent pas travailler, ce qui pose un problème en France et en Europe plus largement. C'est-à-dire qu'en Asie, les moines pratiquent la mendicité. Et en fait, les gens des villages vont donner des offrandes, de la nourriture pour les moines. C'est une pratique courante qui se fait. On voit souvent les moines défiler dans la rue avec un bol. Les chrétiens ont la Bible, les juifs ont également la Torah, les musulmans le Coran et les bouddhistes. Les bouddhistes, ils ont l'enseignement de leur maître et l'enseignement général de la communauté. C'est une transmission orale, c'est pas une transmission écrite. Le bouddhisme est né en Inde 500 ans avant Jésus-Christ, et puis donc ça fait près de 2600 ans qu'il se transmet uniquement de maître à disciple. Avez-vous le droit de consommer de l'alcool ? L'alcool, c'est pas interdit. Là où il faut faire attention, c'est les conséquences de notre consommation. Donc évidemment, si on tombe dans l'excès, eh ben, il faut être encore plus attentif. On dit dans le bouddhisme, il ne faut pas s'intoxiquer le corps et l'esprit. Il y a mille et une manières de s'intoxiquer, hein, surtout l'esprit, qui sont plus graves qu'un verre de vin. Quand on s'intoxique avec la colère, avec l'égoïsme, avec l'avidité, ou avec des idéologies extrêmes, c'est beaucoup plus grave que d'apprécier un verre de vin avec ses amis. Alors, il y a des traditions bouddhistes qui ne boivent pas du tout d'alcool. Dans ma tradition, c'est possible. Est-ce que vous regardez des séries ? Si je regarde des séries, je regarde beaucoup de séries. Lesquelles ? Dernièrement, j'ai regardé La famille Stitzel, que j'ai adoré. J'ai regardé Le Serpent aussi avec Tara Haim, que j'adore. Malheureusement, très fan de séries, c'est pour ça que je lis de moins en moins d'ailleurs. Vous avez le droit de vous marier ? On peut se marier. Dans notre tradition, il y a des moines qui sont mariés à des nonnes, donc qui pratiquent ensemble, qui ont un parcours de vie commun à travers la spiritualité. Il y a des moines qui sont mariés à des laïcs aussi, ou à d'autres religieux.
Tout est possible. Dans d'autres traditions, on fait vœu de chasteté, non ? Il y a des traditions bouddhistes où, effectivement, les moines font vœu de chasteté. Quels sont les clichés sur votre religion ? Alors, des clichés, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais celui qui me vient en premier, c'est l'image du bouddhiste gentil, où tout est amour. Non, c'est pas ça. Un bouddhiste, c'est un être humain comme les autres, qui a choisi une voie spirituelle qui n'est pas simple. Il a ses travers, il a aussi ses moments de colère, ses moments de souffrance. Tous les bouddhistes ne sont pas gentils et beaux. Il y a d'autres clichés hein, sur les termes du bouddhisme, sur des mots un peu galvaudés comme le karma, qu'on confond souvent par exemple avec le destin. Le nirvana qu'on prend pour un lieu paradisiaque. C'est quoi le plus dur dans la vie d'un moine bouddhiste aujourd'hui ? De rompre avec l'instant présent. Mais bon, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur pour tout le monde. Je pense que l'attention, c'est devenu une denrée rare. On voit bien quand on est sur Internet et qu'on y va pour chercher une information et qu'on se retrouve à acheter une paire de sneakers. C'est que bon, il y a effectivement un problème d'attention. Et ça, c'est quand même ce qui est au cœur de notre pratique, le moment présent. Donc c'est ce qu'il y a de plus dur à pratiquer, de revenir sans cesse au corps, au souffle, parce que c'est ce qu'il y a de plus concret, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous ramener à l'instant présent.